Attention, nous sommes les Crash Mal. On est là et puis on est là de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les carnavals, nous vaincrons les Crash Mal. Et nous découvrirons les secrets de notre carreau. Esther, je suis inquiète. Depuis ce matin, j'ai des pertes de mémoire spontanées vraiment incompréhensibles. Par exemple, il y a un client qui a appelé à l'épicerie pour avoir l'adresse. Ben j'ai eu un blanc total. J'ai été obligée de sortir dehors pour aller voir l'adresse. Puis aussi, après... On verra ça un peu plus tard. Pour le moment, j'ai une mission importante à te confier. On va enfin pouvoir essayer le fameux gant sur lequel tu m'as aidé à faire des tests ces derniers temps. Écoute bien les consignes. Tu infiltres le quartier général des Crash Mal. Dès que tu en vois un, tu appuies sur le vaporisateur que j'ai installé sur ton gant. Aussitôt que le gaz sera libéré, il endormira les Crash Mal. Une fois que tu es certaine que le champ est libre, mets ta goutte en mode de détection des stalactites. Grâce au nouveau logiciel que j'y ai introduit, elle te guidera vers les stalactites de la même manière qu'elle t'aura guidé vers le quartier général des Crash Mal. Quand tu auras trouvé les stalactites, prends-les délicatement et reviens vite. Oui, madame. Esther, j'espère vraiment que j'oublierai pas les étapes. Étape 1, le QG. Étape 2, le gant vaporisateur. Étape 3, Esther, qu'est-ce qui va se passer si je trouve pas les stalactites? Tu les trouveras. Mon logiciel est infaillible. Tu infiltres le quartier général des Crash Mal. Dès que tu vois l'un d'eux, appuie sur le vaporisateur que j'ai installé sur ton gant. Une fois le gaz libéré, les Crash Mal s'endormiront. Prends ta goutte et laisse-la en mode de détection de stalactites. Elle te guidera vers elle de la même façon qu'elle t'aura guidé vers le quartier général des Crash Mal. Prends les stalactites et reviens vite. Ça fait des semaines que je fais suivre les Crash Mal. C'est comme ça que j'ai appris qu'ils ont réussi à décoder un des ingrédients de l'eau de Kaboom, qui est dans le grimoire. Ça prend des cristaux de stalactites pour fabriquer la fameuse eau. Toujours en les suivant, on a vu que Ryu et sa bande en ont trouvé. J'avais prévu un plan infaillible pour que Titania les récupère dans leur quartier général, mais je suis sans nouvelles, j'arrive pas à la rejoindre sur sa goutte ni à la localiser sur le radar. J'espère qu'elle a pas eu un de ces fameux trous de mémoire. Va falloir que j'y voie. Non, Éclair est pas disponible et Chrono est en mission de filature. Puis toi, je veux que tu poursuives ta mission en Afrique. Je vais aller voir moi-même ce qui se passe au quartier général des Crash Mal. Ben non, Gisère, je pensais bien qu'un jour j'aurais à m'en mêler. J'ai prévu des vêtements pour masquer mon identité, ils sont en haut chez moi. T'inquiète pas, je sais ce que j'ai à faire. Je te tiens au courant. Je savais que quelque chose de grave allait se passer. Je l'ai senti en ouvrant les yeux ce matin. T'as un vrai don. Ouais, hein, t'as bien fait de mettre le walkie-talkie en bas. Esther s'en va. On peut pas la laisser aller toute seule chez les Crash Mal. Elle doit aller changer chez elle. Mais t'as raison, il faut faire quelque chose. C'est l'heure de la première vraie mission des Rois d'Amrak. Il faut appeler Loi. Je m'en occupe. T'as un plan en tête? Ben, on va suivre Esther pour avoir l'adresse des Crash Mal. Et surtout, pour savoir ce qui se passe là-bas.
Éloi s'en vient. Je lui ai dit de passer par en arrière. Parfait, c'est moi qui suis Esther. Jusqu'au quartier général des Crashmalles? Oui, non, Clara. La meilleure pour se faufiler, c'est moi. J'y vais. OK, mais ça pourrait être dangereux, hein? Je le sais, mais je suis capable. Il faut que tu restes en communication avec nous tout le temps. Prends soin, Kitokila. Je vais chercher l'autre en bas. Esther va bientôt partir. T'es mieux d'aller te cacher devant l'épicerie. Ouais, je vous appelle dès que je la vois. Attends! C'est une mission importante. On va la réussir! C'est moi. Je suis en place. Il y a quelqu'un de bizarre à la caisse. On dirait que c'est Esther. Oui, c'est elle! Paul? Oui, ma tante? J'ai des courses à faire. Je ferme l'épicerie. Vous terminez sagement vos devoirs et interdiction d'ouvrir la porte à qui que ce soit, compris? Oui, oui, ma tante. Promis. À plus tard. À plus tard. Je l'appelle Natacha. À l'écoute. Est-ce qu'Esther est partie? Non, pas encore. Elle sort quelque chose de ses poches, mais je vois pas ce que c'est. Elle s'en vient. Terminé. Drôle. Drôle comment? Comme ça allait mal se passer pour Esther et Natacha. Mais non, on est des rois d'Amrak, on va réussir notre mission. Hé, hey, j'ai retrouvé mon dessin du quartier général des Crashmalles. On va préparer un plan d'urgence. Il faut trouver les meilleures cachettes possibles chez les Crashmalles. Je suis allée plus souvent que toi, je vais t'aider. Qu'est-ce que t'en penses? Il manque une colonne sur ton dessin. Il y en a une juste ici. De là, on peut voir tout ce qui se passe autour. C'est bon. Après, on peut se cacher derrière le lit plein de coussins. Ou derrière le comptoir. Parfait pour les cachettes. Maintenant, il faut se préparer un petit kit d'urgence avec une trousse de premiers soins. Un miroir. Si il est là, on va lui faire peur avec. Ouais, ici, Ambelina est là. On ferme la lumière. Des watts anti-puanteurs de Yorg. Je vais préparer tout ça. OK. Moi, je vais rester ici pour attendre Ewa. Parfait. Je reviens. Sinon, Esther va m'entendre. L'entrée du quartier général des Crashmalles est dans la bouche d'égout, à côté du banc du parc Miette. On est rendu. La place est vide. Y a personne. Terminé. Oh non! Titania! Titania! Tu m'entends? Réponds! Il n'y a que lui pour faire un coup comme celui-là. Titania est ici. Elle bouge plus. Elle a plein de morphes sur le visage. C'est à cause de Morviak. Terminé. Natacha, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, on savait que tu venais ici toute seule. On était ici. Rentre à l'épicerie tout de suite. C'est dangereux ici. Mais est-ce qu'elle va être correcte, Titania? Je sais pas. Je dois l'examiner d'abord. Je t'ai dit de rentrer à l'épicerie. C'est pas si... Allez, vite! C'est quoi ça?
J'appelle Paul! J'appelle Paul! Va-t'en, Natacha, et cours le plus vite que tu peux! Oh, c'est Morvia qui est encore là-bas! Oh non, mais qu'est-ce qu'on fait? J'appelle mon père. En Afrique? Il arrivera jamais à temps. Il faut agir vite. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'aurais jamais dû vous embarquer là-dedans! Tu veux abandonner la mission? Non. Non, c'est sûr que non. C'est le temps ou jamais de montrer aux grands de quoi on est capable. On va trouver des solutions. On va se débarrasser de Morviak. Oui, on va prendre un aspirateur et l'aspirer. Non, non, il est trop fort. Pour se débarrasser de lui, ça nous prend un plan d'enfer. Un plan pour se débarrasser d'une grosse morve. Une morve? Collante et gluante. Oui! Je sais quoi faire! Clara? C'est moi! Viens nous rejoindre dans l'allée des papiers mouchoirs, OK? Ça sera pas long, il manque la trousse de premiers soins. Julie, je m'en viens! Clara, attends! Peux-tu apporter le style? Oui, j'arrive! Avec le super traducteur intersidéral de langue, on va pouvoir comprendre le langage de Morviak. Ouais, bonne idée! Maintenant, suis-moi! Mais pourquoi les mouchoirs? Je t'expliquerai, il faut faire vite! Titania. Je pensais que les gens exagéraient quand ils disaient qu'il était hyper dangereux, mais là, je comprends. J'espère que les filles vont s'en sortir. Et moi aussi. Je vous promets qu'avec mon plan mouchoir géant, on va réussir à se débarrasser de cette grosse morve-là. Si ça marche, penses-tu qu'il va rester collé là longtemps? Assez longtemps pour qu'on ait le temps de sauver Titania, Esther et Natacha. On, c'est qui? On va tous y aller! Mais non! Si on réussit pas à attraper Morviak et qu'il nous attaque... Il y aura plus personne pour nous sauver. Ouais, vous avez raison. Il faut que nous trois restent ici. Je suis seule qui est capable de décoder le langage de Morviak avec le style. C'est vrai. Ouais, puis pour l'attraper dans le mouchoir géant, ça prend quelqu'un qui a du visu. T'es le meilleur là-dedans. OK, j'y vais. Et qui vient avec moi? Je te suis! Mais non! Toi, t'es notre chef de mission! Il faut que tu restes ici! Clara a raison. S'il nous arrive quelque chose, il va falloir que tu nous sauves. Ouais. Ouais, vous avez raison. Mais vous êtes sûr? Oui. Ça va bien se passer, je le sens. J'espère que t'as raison. C'est sûr! On est des héros! Dame! Rack! C'est ton bras. Comme ça, si la mort attaque, on va être protégés. Prête? Prête. Hey, Morviak! Viens ici pour voir. C'est raté! Par ici, espèce de créature informe! Attention! Tu vas péguer ça! Pourquoi t'es ici? Qu'est-ce que tu veux? On dirait que le super traducteur fonctionne pas. À moins que je me sois trompé de bouton. J'espère que c'est juste ça. Qu'est-ce que t'as dit? T'es son chef. Rien te les aurait donné les stalactites. Pourquoi t'as pas demandé à un de tes employés de les voler d'abord? Je comprends que vous fassiez confiance à personne. Vous êtes aussi méchants les uns que les autres. Oh non! Tu restes là puis tu me dis comment sauver mes amis, sinon... Sinon, je mets le mouchoir dans un malaxeur, compris? Oui, allô? Paul à l'appareil? Comment ça va?
J'ai attrapé Morviak. Oh, super, bravo, Éloi. Puis comment vont les filles? Elles sont toutes évanouies. Toutes? Toutes? Est-ce que ça veut dire que... Oui, Clara aussi. Oh non! Oh. J'ai fait parler Morviak. Si on lui donne les stalactites, il va nous dire comment sauver les filles. Sais-tu où elles sont, les stalactites? Pas encore. Mais le problème, c'est que si on libère un crash mal comme lui, il va se venger. Je sais comment l'empêcher de faire ça. Surveille-le, je m'en viens. Quoi? Mais non. Il reste juste nous deux dans la mission. Et si Morviak s'en prend nous, on est fait. Ça va aller. Je sais comment l'empêcher de faire ça. J'ai préparé un poison anti-morve. Je m'en viens. Avec cette cochonnerie de Morviak. Arrête de bouger, tu sortiras pas de là. Ça t'apprendra à attaquer tout le monde. Si tu veux les stalactites, il faut que tu me dises où elles sont. J'ai la stalactite. Oh. Il est là. Morviak, dis-nous comment sauver nos amis et vite! Sinon, je t'élimine avec mon sel à l'eau. Un poison anti-morve archi-puissant, compris? Il dit qu'il veut la stalactite avant. Tiens. OK, je vais te la donner. Mais je te préviens. Si tu bouges, je te vaporise. Il dit qu'il va rester tranquille. Tiens! Maintenant, réponds. Comment on fait pour sauver nos amis? Il dit qu'il faut mettre de l'eau salée sur les parties morveuses des gens qui ont attaqué. C'est ça que j'ai dans ma bonbonne! Je croyais que ton sel à l'eau, c'était un poison. Ben, c'est de l'eau et du sel. Mon père me donnait ça quand j'étais petit pour me déboucher le nez. C'est hyper efficace contre la morve. Je vais essayer sur Titania. Tu surveilles? Oui. Oh, tais-toi! Ça marche, Éloi! Titania commence à bouger! Qu'est-ce qui... Wow! Éloi! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Morviak. Il vous a attaqué, toi, Esther, Natacha et Clara. Mais qu'est-ce qu'elle faisait tout ici? Je t'expliquerai. Mais là, il faut vite vaporiser ça sur tous ceux qui ont attaqué. Rentrez, je m'en occupe. Non, c'est notre mission. Vous m'avez déjà donné un bon coup de main. C'est à mon tour de reprendre les rênes. Rentrez, c'est trop dangereux ici. Allez. J'aurais peut-être pas dû laisser Titania tout seul. Et Natacha arrive! Éloi! Oh, oh fiou, t'es correct! Oh. Clara est où? Je sais pas. Titania m'a fait sortir en premier. Reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben. Hé, hey, Véro d'Abrac, je suis de retour! Clara! Ah, ouais! Tout le monde est sorti du QG des Crash-Mal. Enfin, tout le monde sauf Morviak! Il se débat encore contre le mouchoir géant. On a réussi, c'est mission accomplie! Rodabrak! Rodabrak! Oh! Bravo tout le monde! Yeah! Une chance que t'as senti qu'il allait se passer quelque chose. Hein? Ouais, sinon t'aurais pas mis les walkie-talkies en bas et on aurait jamais su ce qui se passait, hein? Je sais pas ce qui serait arrivé à Esther et Titania. Et sans Natacha, on n'aurait jamais pu retrouver le quartier général des Crash-Mal. Sans Éloi, Morviak sera encore en liberté, hein? Sans Clara, j'aurais jamais réussi à l'attraper tout seul. Et en plus, tu m'as sauvé de Morviak. Et merci. J'avais pas vraiment le choix. T'es le seul qui est capable de décoder son langage. Sans les bonnes idées de Paul, je sais pas ce qui serait arrivé. On est des top! J'espère qu'Esther va penser la même chose. Allô, Esther! Vous avez pris des risques énormes. Toi aussi? Aller chez les Crash-Mal tout seul, c'était dangereux.
Oui. Et j'ai qu'une chose à ajouter. Bravo, vous avez fait du bon travail. Esther, est-ce qu'on peut boire de l'eau de Kaboom maintenant? Vous avez bien d'autres preuves à faire avant ça. Donne-nous une mission, on est prêts! Attends, Esther, j'ai quelque chose pour toi. La stalactite. Ah, merci. Je vais l'analyser. Titania s'en vient. Dites-lui de me rejoindre en bas. Un pour tous et tous pour moi! Ça va, Esther? Oui, excuse-moi, c'est nerveux. Trop d'émotions dans une même journée. Ce sont pas des stalactites que les crachements l'ont trouvé, ce sont des stalagmites. C'est quoi la différence? La stalactite est une colonne plus ou moins fine qui croît par précipitation de calcite en descendant de la voûte d'une cavité calcaire. Alors que la stalagmite est une colonne plutôt trapue qui croît par précipitation à partir du sol. Tu vois? C'est pareil? C'est pas un peu mélangeant comme nom, ça? Mais non! La stalactite, ça tombe! La stalagmite, ça monte! Oui, mais ma goutte était en mode détection de stalactites. Comment ça se fait qu'elle m'a guidée vers des stalagmites? La composition chimique des stalactites et des stalagmites est la même. Ce qui fait la différence pour l'eau de Kaboom, c'est la formation des cristaux de chacune d'elles. Et pourquoi Morviag voulait voler les stalactites et stalagmites? Il aurait pu demander à Rieu? Je me suis posé la même question. Mais connaissant les crachemals, ils doivent se battre entre eux pour savoir qui sera le premier à trouver la recette de l'eau de Kaboom. Même Morviag doit faire partie de la course. C'est sûrement pour ça qu'il a voulu voler les stalactites à Rieu. J'ose espérer qu'un jour, on va se débarrasser de ces monstres. En attendant, je vais aller rejoindre les enfants. Oh, en passant, Titania, je voulais te dire... Je viens tout juste de comprendre pourquoi t'avais des pertes de mémoire. Pourquoi? Comment t'as fait pour savoir? Quand j'ai constaté que j'étais sans nouvelles de toi et que j'arrivais pas à te joindre sur ta goutte, je me suis rappelé tes soudains problèmes de mémoire. Je pensais que t'avais oublié une partie des consignes et... Et c'est en faisant ces tests que je me suis rendu compte de ceci. Le gaz qui sortait du vaporisateur a la propriété d'endormir les crachemals. Mais si on en inhale une légère quantité régulièrement, comme tu l'as fait quand nous faisions les tests ensemble ces derniers temps, ça peut créer des pertes de mémoire. Légères et momentanées. Heureusement, cet effet se dissipe au bout de quelques heures. C'est pour ça que j'ai rien oublié pendant la mission. Mais comment on fait pour contrer ça? On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va rejoindre les enfants. Esther, tu trouves pas qu'ils ont été extraordinaires? Oui, tu peux les féliciter. Mais insiste pas trop, je veux pas qu'ils se prennent pour des carmadors. Oui, madame. N'empêche que ces petits ont tout ce qu'il faut pour en devenir. Mais avant que je leur dise, ça risque de prendre bien du temps. Affronte les vilains crachemals. Tape jeunesse.télé-québec.tv. S'écrase dans un village, le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les karmas dans la cache, les crachemals la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crachemals. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Karmadors.